Ça sert à rien d'avoir peur pour la planète, on va tous crever un jour, effectivement. Partant de ce principe-là, on pourrait dire ça sert à rien d'avoir peur des tueurs en série. On va tous mourir un jour. On peut quand même avoir envie de crever le plus tard possible. Le mot d'éco-anxiété, je le trouve un peu stigmatisant, dans le sens où il veut vraiment mettre le doigt sur le côté presque caricatural de certains écolos. Sachant que je ne sais pas s'il existe des gens qui sont éco-joyeux, qui se disent « Hey, mais quelle bonne nouvelle, regarde la météo de Catherine Laborde, c'est vraiment une bonne nouvelle ça !» Éco-anxiété, pour moi, c'est juste la base en fait. C'est important d'être écolo, mais dans la bonne humeur. Hein, ça c'est vrai, quand vous faites pipi sous la douche, bah souriez, hein, c'est tout. Quand vous mettez des déchets au recyclage, moi ce que je conseille, c'est de chanter. « Petite bouteille de lait, je te mets dans la poubelle verte, petit carton tout mignon dans la poubelle jaune. » Voilà, vous allez voir, vraiment, la planète s'emportera beaucoup mieux.